c'est Raven7 et on se retrouve pour la suite de l'aventure. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous plaît. J'attends votre avis en commentaire. On va commencer sans plus tarder. C'est parti, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je me rappelle plus trop où c'est qu'on en est. Hop, faudrait peut-être que j'allume ma manette pour que ça fonctionne. Voilà, d'accord. Miss Click, désolé, je me suis trompé. Bon, bref, vous voyez bien que je suis sur la version. On s'était arrêté ici. Bon, je regarde mes Pokémon un petit coup. On va peut-être faire évoluer Bank Sonic. Voilà. Donc, on le met en début. Est-ce que tu vas bien, Bank Sonic? Il a l'air vraiment content. Bon, bah, c'est une bonne chose. Je sais plus du tout, c'est une arène de quoi? De quel type? Champion, Predo. Il vous apprend la rudesse du froid hivernal. D'accord, ça doit être glace. Bon, bah, allez, c'est parti. Ouais, c'est de la glace. Comment elle fonctionne cette arène? Oh, d'accord, aussi simple que ça. Bon bah, on y va. Bon allez, on va se taper un peu des dresseurs histoire de s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Pour atteindre Predo, notre champion d'arène, tu dois réfléchir avant de te laisser glisser. Je m'en fous, je réfléchis pas moi. Oula, il y a des petits moments de lag. Allez, on accélère un peu. Est-ce que j'ai de quoi toucher ce Pokémon? Morsure, ça m'a l'air pas mal. Je sens bien le gros bisou nous embêter. Ah, niveau 43, j'avais pas vu ça par contre. Oula, on est dans le caca. On est KO? Non, quand même pas, faut pas abuser. Bon, je crois qu'on va faire un petit stage d'entraînement à un moment. On va switcher, on va envoyer Charter, notre Charter, qui va se faire assez facilement celui du coup, je pense. Voilà, Avalanche, qui fait encore plus de dégâts vu qu'il attaque après, mais voilà, 4 PV, c'est pas énorme. On va lui faire un petit lance-flamme, je crois que ça va bien passer. Nous paralyse pas, s'il te plaît, ce serait bien. D'accord, c'est bien, elle nous a pas paralysé. Dans l'épisode précédent, je vous ai pas dit, mais je crois que je vais faire que la ligue de Johto. J'irai pas à Kanto après, du moins, j'ai pas trop envie. Parce que un des prochains jeux va se passer à Kanto, j'ai pas envie qu'on voie encore Kanto, bref. Là je veux juste faire l'aventure à Johto de sûr. Peut-être que je viendrai à Kanto, mais une prochaine fois, peut-être l'été prochain, je ne sais pas. On verra ça. Cette arène a le sol glissant, c'est délire, pas vrai. Mais fini de jouer. Allez, let's go. Bon, moi j'ai faim, donc je grignote un peu. Marc à crin, d'accord. Bon bah vas-y Charmander. J'espère juste qu'il n'a pas d'attaque de type sol. Parce que là on va prendre cher. Brume, bon ça va. Brume ça empêche d'être... Ça fait quoi Brume? Je me rappelle plus. Il me semble que ça empêche les statues. Genre d'empoisonner, brûler, paralyser ou endormir. Ou peut-être que ça augmente la précision de l'équipe. Je sais plus. Parce que Rune Protect, je sais que ça le fait. Brune, ça a peut-être le même effet. Bon, on va changer pour envoyer Rambo, mais on va re-switcher après. C'est histoire de l'entraîner. Hop, on va renvoyer notre cher Charbonneur. Hop là, Charbonneur des familles. Vraiment très très résistant. Éclat de glace, on le prend facile, voilà, de PV. Il en rit, limite. Allez, on a gagné. Ouais. Comment ça va se passer là? Alors là, je sais pas du tout. Si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça change rien. On va ressortir pour re-rentrer pour voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah faut faire tout simplement ça, oui, j'ai été du mauvais côté, je suis bête. Je réfléchis pas, moi je fonce dans le temps. Moi je veux que mon Rambo il évolue. Otaria. D'accord, Otaria, Pokémon de type glace, logique. J'étais en train de réfléchir sur qui envoyer Sonia. On le prend bien, plus ce combat, tu vas mal le prendre pour le pas.
fond. Oh, le petit Aquajet, avant de mourir. Oh, même pas. Oh, c'est pas grave, vive l'attaque. Boum. Allez, on change. Il envoie son évolution, Lamantine. Ah oui, on manque d'entraînement pour cette arène. J'aurais peut-être dû m'entraîner, je ne sais pas. Bon bah, j'espère juste qu'il va pas faire une attaque glace. Ou le coup critique des familles qui fait mal. Ce combat. Ah, il aurait fallu qu'on le fasse après, on aurait pris moins de dégâts après. On est KO, c'était sûr. Garde voir, j'espère que tu vas pouvoir finir au moins. Fais le psycho stabé. Très bien. Allez, on va switcher. Manque Sonic à toi. Allez, on va vraiment envoyer un Pokémon. Allez, vas-y, garde voir. Comme j'aurais pas dû. On se boost ou non? Allez, psycho. Hop là, tac. Ouh, on a mis comme. Manque Sonic monte au niveau 36, je crois qu'il va évoluer enfin. Attention, évolution. Ok, gros fail. Mais il évolue à quel niveau? Niveau 40? Je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout à quel niveau il évolue. Il me semblait que c'était niveau 36. Bah c'est peut-être 40 au final. Alors qu'est-ce que je fais moi là? Bon allez, on va affronter ça. Sort de mon... je sais pas quoi, j'ai pas vu. Lamantine. Bon allez, Brouhaham. Si, c'est ça, Brouhaham. Non, Ramboum, pardon. Oh l'enfoiré, il s'est caché sous l'eau. On peut rien faire. Il va nous mettre KO. Bon allez, on va le laisser nous mettre KO. Voilà, il est content. Allez, dislike. Intimide-le. Oula, sans faire exprès, j'ai fait morsure, j'en ai pas. Allez, on va faire Dracourage, courage, comme ça on est sûr des dégâts qu'on va faire. Boum, dans ta face, Hydro-Cure, si tu veux. Allez, on l'affaiblit, on va le finir avec morsure. Boum. Ouais, on l'a battu. On va affronter ce gars-là, si j'y arrive. Hop, voilà, on va l'affronter. Avec son bonnet, on dirait un peu le gars de Owen, Brice. Je connais le secret de la puissance de Frendo. D'accord. Intéressant. Coquillas. Intimidation, si tu veux. Va courage, comme ça, on est sûr des dégâts qu'on te fait. Est-ce que ça le met KO? Je suis sûr que non. Avec la chance que j'ai. Éclat de glace. D'accord. Ah si, ça le met KO. Crustabri, par contre là ça va pas être la même. Allez, on va rester. Dracourage. Faut bien faire des sacrifices dans la vie pour réussir. Ultrason, et bien sûr il y arrive. Par contre on va switcher là. Allez, Charmoneur. Éclat de glace. Il le prend bien. Boum. Deux ou trois PV je crois. Allez, éclat de frog. Voilà, ça enlève 4 PV à chaque fois. Ouh là là, 4 PV, ouh. Onde boréale, encore moins. Hop là, dislike monte au niveau 35 et il apprend Hydro-Queue, c'est une bonne attaque ça. Et on va la prendre à la place d'Ouragan par contre. Voilà, Ouragan. Voilà. On monte au niveau 42. Otaria. Allez, on va changer, comme ça fait une intimidation en plus. Une baisse d'attaque, c'est toujours ça à prendre. Ah, ça me dérange pas de pas encore Dracourage. D'accord, la vitesse baisse, mais on est toujours aussi rapide, on le met KO. C'est excellent. Voilà. On va soigner. Si j'y arrive, parce que je suis pas doué. Allez! Let's go, merci le bug. Désolé maman, j'ai pas le temps de te répondre.
Voilà. Désolé, il y a eu un petit ralentissement, je regardais autre chose. D'accord, Bank Sonic est en forme. Non, par contre, je suis désolé, Bank Sonic, mais on va pas te laisser devant. Hein. On a vu que t'étais une vitrine. Dislike ferait bien l'affaire. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, en parlant de... Enfin, en parlant. Vu que je joue à Pokémon Soul Silver, cette Aggron qui s'est renommée Silver Shadow, j'ai vu que Cosmorève, notre youtubeur, bon, que je connais pas personnellement, mais voilà, qu'il y a plus de chances que vous connaissiez ce gars-là que moi, eh bien, il s'est lancé dans une aventure sur... mince, j'ai oublié. Sur un Poké... pas un Poké Race. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Bon, ça a pas l'air d'être ça, le chemin. Une aventure sur Soul Silver, là, il appelle ça des Poké Reactives, que j'aime bien. C'est des lives qu'il fait avec cet abonné, logique. C'est peut-être comme ça, attendez. Non, pas les liens. C'est peut-être ça, attendez. Hop, hop, hop. Je suis en train de réfléchir là. Il faudrait que je pousse ça là-bas. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je crois que vous l'avez vu en plus. Attendez, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut faire un truc dans ce genre, boum. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est bon. C'est ça quand je réfléchis, vous avez dû remarquer. Bon allez, on se met derrière lui, like boss. Les Pokémon vivent beaucoup d'aventures au cours de leur vie, comme nous. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Comme je suis plus vieux que toi, je peux partager mon expérience. Je vis avec les Pokémon depuis bien avant ta naissance. Je ne me laisse jamais... Oula. Je ne me laisse pas vaincre facilement. Des fois j'invente des trucs, mais un truc de ouf. Moi, Fredo, dresseur du froid, je vais te montrer de quoi je suis capable. D'accord, let's battle. Bon bref, avant que je sois bien concentré, j'étais en train de parler de Cosmorev. Et il fait une petite aventure sur Soul Silver. Poker Active que je vous invite à aller voir. Bon, je mettrai pas de lien, mais vous mettez Poker Active ou Cosmorev, vous allez voir ça. Il fait souvent des lives, notamment le dimanche. Et il a proposé de renommer l'adversaire, comme moi ici je l'ai appelé Shadow. Moi pour plaisanter j'ai dit renomme-le ta mère. Voilà. C'était pas pour l'insulter lui, mais voilà, c'était pour le fun, je trouvais que ça pouvait être rigolo. Ça pouvait être marrant selon les textes que le méchant pouvait sortir. Il a renommé le méchant ta mère. Ça m'a fait plaisir, oui, je suis un gros gamin, et alors... là, on va peut-être faire une drogue. Il va nous faire un éclat de glace. Bon, de toute façon, on est trop lent. Donc voilà, le méchant de Cosmo s'appelle ta mère. Maintenant, vous savez de qui ça vient de moi, en fait. J'ai dit, appelle-le ta mère, voilà. Pour le fun, j'avais mis entre parenthèses, je me rappelle. En fait, je vous dis ça parce que quand il a fait le premier épisode de ce live, c'était le week-end même où je tourne cette vidéo. Alors que vous allez sûrement voir cette vidéo un mois après ce premier épisode. Parce que moi, oula, purée, on a plus de chance. Parce que moi, j'aime bien tourner en avance. Ah, mais là, on est en train de perdre. Vas-y, Pico. Oh non, l'hyper potion. Allez, on va tenter de se placer. Voilà, on va tenter de se placer. Allez, hop. Blizzard, nous gèle pas, parce que je rappelle que quand il y a la graine, il y a plus de chances de geler. En plus de ça, on se prend des petits dégâts. Ça fait pas du bien. Allez, Psycho. Boum, c'est déjà plus puissant. Ah là là, on prend pas mal de dégâts. C'est bon, on arrive à le mettre KO.
Grêle continue, on se prend des dégâts. Ouh, le Lamantine Aquajet là, il va nous finir. Bah, allez, on va tenter. Éclat de glace. Ouais, bon bah. Alors là, je sais pas comment on va s'en sortir. On va essayer de le rendre confus. Ultrason. Onde boréale. D'accord. Et voilà, on a raté Ultrason. Merci pour Avam. Ramboum. Pourquoi je dis pour Avam à chaque fois? Éclat de glace, bon, ça sert à rien de le faire. T'étais plus rapide que nous. Voilà. Il nous met KO. Allez. Alors, on va tenter un truc. J'envoie Charbonneur. Soit je me place. Soit j'essaie de me placer. Ouais, on va faire ça. Je vais me placer. On va essayer de faire ça deux fois. Malédiction, puis après plaquage. Avec un peu de chance, plaquage, ça peut pas. En plus de ça, le paralyser. Donc on se ralentit. Bon, c'est pas grave, on est hyper lent à la base. Donc, soit encore plus lent, ça me dérange pas. Allez, onde boréale, si tu veux, on le prend à la rigolade, pardon. Bon. Malédiction. Voilà, j'espère que vous entendez pas que je mange comme un cochon. Là. Parce que je sais pas manger, hein, tout simplement. Allez, plaquage. Allez, paralyse. Oh, ça c'est bien. Bon, maintenant on va essayer de faire éclat de roc pour essayer de baisser sa défense. Non seulement c'est super efficace, et ça peut baisser sa défense. Très bien. D'accord, ça baisse pas sa défense. On sait qu'il va utiliser une hyper potion. Hein. C'est pas nouveau. Je ploie. Ok. Et j'ai pas compris le mot je ploie. Ah, carrément la guérison, il est plus paralysé. Oh. Non, bah on va réessayer de le paralyser du coup. À moins quand on éclate rock, on arrive à le battre. Coup critique ? Oh, oh là là ! Ah, Charbonneur, hein. Vraiment très bon Pokémon de type feu et acier dans cette version, je le rappelle. J'aurais épuisé toute ma stratégie, un truc comme ça. Ah, je suis très impressionné par ta prouesse. Avec un tempérament comme le tien, tu surmonteras tous les obstacles de la vie. Tu mérites ce badge. Le badge glacier de Fredo. Ce badge permet à tes Pokémon d'utiliser la capacité siphon afin de franchir le tourbillon. Et ça, c'est un cadeau de ma part. C'est quoi ça? Avalanche? Laser glace peut-être? Éclat de glace? Grêle? Ah bah oui, tout simplement. Cette capacité fait tomber la graine. Comme son nom l'indique. Voilà. Bon, bah on va se casser. Hop, on va accélérer. Je sais pas à combien de temps on est de vidéo. Je vais regarder ça quand on se finira. Bon, j'arrive jamais à partir quand je m'en accélère. Hop. Alors, ça c'est fait, Staren. Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire après. Peut-être que la route à gauche est débloquée. Donc oui, on va soigner nos Pokémon. En même temps, je regarde à combien de vidéos on est, pardon. J'ai fermé le truc sans faire exprès. D'accord, on a une vingtaine de minutes. Merci d'avoir attendu. De rien, madame. Comme Dislike est en forme, vous avez décidé de vous promener avec. L'infirmière Jounaille qui nous dit ce qu'il faut faire. Bon, là je vais proposer de... Il y a notre maman qui allait nous appeler. Garde-voir, on va te mettre devant parce que t'es la plus faible au niveau. T'es le plus faible, pardon, au niveau des niveaux, justement. Allez, comme ça rame. Attends, on peut pas passer là? Bon, je ne devrais pas te dire ça après t'avoir fait acheter un truc, mais il n'y a pas vraiment d'obligation d'acheter un bonbon vache si on passe par Acajou. Bah, à Johto, il y a un phare de l'île, pharmacie et plein d'autres choses à voir. Profite bien de ton voyage. Ah d'accord, il nous oblige à aller là-bas. Bah,
Attendez, on va voir. J'espère que ça ne fait pas un bug comme certaines personnes ont eu. Oh là, on va affronter du Pokémon, non? Même pas. J'espère que ça fait pas un bug style. Les arènes ne fonctionnent pas comme ça m'a déjà fait sur émulateur comme sur le téléphone notamment. Vu qu'on est là, on va peut-être prendre les baies, les noix grumes. Ça fait toujours ça en plus. On va se rendre à la prochaine ville et je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hop là, noix grumes roses. Boum. Noix grumes vert. Et puis moi, il est l'heure d'aller manger, j'ai faim là. Je grignote depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous dérange pas d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si je suis discret quand je mange. Mec a pas de vie. Allez, c'est parti, surf. Boum. Un Pokémon. Allez, Poissyrène, on va se le faire facilement. Hop, Feuille Magique. Hop, KO. Ça fait toujours un peu d'XP. Bon, je veux bien qu'il y ait des Pokémon, mais pas tous les deux pas. Allez, mince, je vais pas faire un Psycho, mais bon, ça suffit. Je peux pas utiliser des attaques avec peu de PP. C'est aussi puissant. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit qu'il y avait un chemin ici. Ne me demandez pas pourquoi, mais... Je me suis toujours dit qu'il y avait un chemin. En fait, on a le vélo, pourquoi je l'utilise pas, moi? Ah, on va peut-être passer à la boutique, avant. Notre maman nous a offert quelque chose. Une pierre lune, merci maman, j'en aurais pas besoin pour l'instant. Bebabiri, d'accord. Ça me fait penser aux méchants dans Dragon Ball. Un B qui est bien. Par contre, les B ça peut être utile. Hyper potion. Et bah, notre maman elle nous en achète des. Benanone, d'accord. Quoi, y a plus rien? C'est pas grave, on traquait. Non, je déconne. Bon, allez. On va à la prochaine ville, comme ils nous ont dit. Mais il me semblait que l'autre ville, je l'avais déjà affronté. Ah, faut peut-être prendre le bateau. Je sais pas. Je ne sais plus du tout par où il faut passer, donc on y va. Canard artichaut, ouais. Psycho. Bon, ok, j'abuse, j'aurais dû utiliser feuille magique. Oula, légendaire. Reiku! J'ai reconnu à la musique. Ah, mais il va fuir cet enfoiré. Il va fuir, je suis sûr. Vu qu'on est plus lent. Allez, on va quand même tenter une ball. Speedball. Allez, hop. Boum. Bon, ça m'étonnerait qu'il rentre. Voilà, et là, il va fuir. Voilà. Bon, déjà, un petit rebond. Ça montre que les speedballs sont très efficaces sur un coup. Allez, feuille magique, dégage-toi. Pas t'attaque, retourne à Aloha. Alola. Oui, plutôt. Allez, on fonce. J'espère qu'on va pas rencontrer de dresseur. Toi aussi, Miaouz, retourne à Alola. On monte au niveau 34, ça c'est bien. Ah purée. Ils sont chiants ces miaous là. Allez, feuille magique. Bluff, bah bien sûr. Boum. Dans ta face. Bon, nous voilà à la prochaine ville. Ouah, le lag de ouf. Je suis désolé pour ce lag, je suis obligé de mettre en accéléré tout le temps. Non, je veux pas sauvegarder maintenant. Moi, je veux enlever le vélo. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. On a bien affronté l'arène, hein. On est d'accord. Je vais quand même aller vérifier, mais tant qu'on l'a affronté. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Je sais que j'ai pas de mémoire, mais à ce point-là... On l'a bien affronté. Attends, je vais voir sur le panneau, je voudrais pas la combattre en étant pas prêt. Ouais, bah si, on l'a affronté, c'est bon.
Bon bah c'est pas grave, je sais plus ce qu'il faut faire, faut peut-être aller surfer à gauche. Ok, il y a Vaste qui vient m'embêter, voilà. Je regarderai sur internet, là où il faut aller, la prochaine direction. Je vais peut-être zapper un lieu. Je pense qu'il faut surfer tout simplement ici pour aller à la prochaine ville. Ouais, ça doit être ça. Bon bref, moi je vais aller me soigner, remettre mes pépés pour être prêt pour le prochain épisode. Bah c'est bon. Peut-être que le gars nous a dit d'acheter un bon bourrage, simplement. Je sais pas. Je vais voir, je vais chercher la solution sur internet, ne vous inquiétez pas. On verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu, qu'il n'a pas été trop ennuyant. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, hein, que ce soit pour dire n'importe quoi, etc. Me dire ce qui va pas, ce qui va. Et peut-être, je sais pas, des surnoms pour de futurs Pokémon si je change mon équipe. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Rem27. Ciao, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis bah, à bientôt. Ciao.